Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. En dessous de cette vidéo se trouve s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur Nyan's Reborn, vous aurez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes. Abonnez-vous sur Nyan's Reborn 2, Nyan's Reborn 3 et Nyan's TV. Que serez-vous prêt à faire, mes frères et sœurs? Si vous avez beaucoup d'argent, en même temps beaucoup d'amis, voici ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes dans un monde terrible. Et les gens aimeraient se faire voir, montrer à tout le monde ce qu'ils ont. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu a dit « N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. » Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, l'amour du Père n'est point en lui. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, ça va vous donner de vrais conseils. Suivez-nous. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, ce n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour les gens qui peuvent parler autrement. En fait, avec leur poche. Regardez ça. Beaucoup d'argent. So much money. Beaucoup d'argent. So much money. Comme vous pouvez le voir, c'est effectivement beaucoup et beaucoup d'argent. Mais pourquoi les gens exposent-ils leurs sous sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils recherchent en le faisant? Mes frères et sœurs, regardez ça. C'est ça notre monde. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Vous voyez ici un artiste qui montre son argent et c'est pas un selfie. Pour ses réseaux sociaux, pour ses fans, etc. Et de l'autre côté, nous voyons aussi un autre artiste qui a tellement d'argent qu'il a déposé sur la table et regardez ce que ça donne. Waouh! Pourquoi les gens s'affirment-ils de la sorte? Si vous pensez que c'est toujours une bonne affaire, vous allez vraiment vous tromper. Il y a plein de jeunes. En voyant tous ces genres de choses, eux veulent copier le même chemin, mais malheureusement, ils empruntent le mauvais chemin. Avant d'arriver jusqu'à eux, nous allons vous montrer d'autres choses encore que vous allez mettre, d'autres choses qui vont même vous étonner. En fait, c'est ce que les gens font sur les réseaux sociaux quand ils ont beaucoup d'argent. Un conseil, si vous avez beaucoup d'argent, réfléchissez à deux fois avant de le faire. Parce que si vous restez à la fin de cette vidéo, ce que vous allez voir même, ça va même vous conseiller. Vous allez faire attention à ça. Regardez ça. Waouh, on voit encore une autre star. Ce sont les célébrités qui font ça. S'ils ne parlent pas du sexe, d'alcool, ils vont parler d'argent et de tout ce que vous connaissez. Ils exposent leurs sous. Et on se dit, oh, ce sont les sous, ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. Comme vous le voyez, c'est la nouvelle mode. Et ils appellent même cette histoire-là téléphone. C'est ton téléphone. Depuis quand les liasses de pieds peuvent-ils être appelés téléphone? Regardez ça. C'est vraiment un téléphone, on dirait. C'est un nouveau style. Une manière de faire. Il a carrément déposé tout son sous, il a son argent sur la table. Et c'est ça la mode. C'est vraiment étrange. Beaucoup et beaucoup d'argent. Quand les jeunes voient ça, ils se disent immédiatement, je suis prêt à tout pour réussir. Même avoir beaucoup d'argent comme eux. Et quand ils disent qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts même à aller même plus loin que ça. Comme vous le voyez, ça touche tous les pays. Et c'est ça. C'est un mode de vie. Une nouvelle façon de s'amuser. Regardez, beaucoup de pieds de banque, comme vous le voyez. C'est pas de la blague, mais frère, ça vous devez croire, c'est réel. Et tout ce que nous sommes en train de vous montrer, je vous conseille de ne pas faire la même chose parce que ça vous expose à tas de trucs que vous ne pourrez peut-être pas supporter à un moment donné. Ce que nous allons vous montrer, ça va vraiment vous choquer.
Pour devenir riche, les gens sont prêts à tout, vous le savez. Même à arnaquer les gens partout dans le monde. Et quand les gens arnaquent certaines personnes, voici ce que ces gens-là font. Ils vont dans un endroit pareil et ils se mettent à faire ce que nous allons vous montrer. Vous allez voir ceci, j'ai de l'argent à terre, on jette de l'argent sur le sol, par-ci, par-là, on jette de l'argent. Et c'est la nouvelle mode, voilà, on se prend en selfie, on se tient en photo. Voilà, c'est la belle vie quoi, c'est la belle vie, regardez tout cet argent à terre, il mâche de l'argent. Ah, moi je travaille ici dur pour avoir quelque chose. Et quand tu prends l'argent pour les jeter juste à terre, comme ça, vous marchez dessus. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça qu'on fait. Regardez ça. Et ils s'appellent les millionnaires. Ils disent qu'ils sont riches. Et ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Franchement, quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir son argent, ça m'étonnerait qu'il utilise tout cet argent-là pour jeter comme ça à terre, pour que les gens puissent marcher là-dessus. Et même les femmes sont là. Elles sont là et regardent. C'est la joie, quoi. C'est la joie. Comme vous le voyez, c'est bien réel, c'est pas un fake, j'ai de l'argent, voilà, c'est réel, voilà. Et quelques temps plus tard, on l'a attrapé. Mais que faisait-il? Mon frère et soeur, les gens, on a appris qu'ils arnaquaient les gens. Et regardez ça, maintenant, ils vont être conduits. Voilà, c'était de la NAC. Là, maintenant, le FBI l'a attrapé. Voilà, le FBI l'a attrapé. Voici ce que ça donne. Et ils vont être condamnés. Or, regardez ce qu'ils faisaient au départ. C'est même ça, ce que les gens aiment faire. Si tu es dans le boutage, si tu es dans telle chose, un conseil, abandonne tes mauvaises voies et reviens à Jésus-Christ. Reviens à Dieu. Même si tu as beaucoup d'argent et que tu as eu ton argent dans la légalité, ne jette pas ton argent comme ça. N'affiche pas ton argent comme ça. Mon frère, il faut être intelligent. Réalise, fais de bonnes œuvres. Il y a les veuves et les orphelins qui ont besoin de soutien. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin de les aider. Regardez ça, regardez ça. Il faut vraiment se cacher. Même si vous avez de l'argent dans la vraie voie et que vous les exposez de la sorte, les gens vont venir vous voir et vous dire, mais comment vous faites pour avoir tout cet argent? Même les autorités peuvent venir vous voir pour vous demander, mais pourquoi exposez-vous autant d'argent? Est-ce que vous n'êtes pas un arnaqueur, des gens de choses pareilles? Parce qu'on ne peut pas accepter des gens verser autant d'argent sur la table ou à terre. Franchement, c'est bizarre, mais ce sont les choses qui sont réelles. Regardez ça bien. Mes frères et sœurs, c'est ça la mode. Regardez tout cet argent qu'il a dans la main. Regardez tout ça. Tout ça. C'est bien réel. C'est bien réel. Voilà. Et ça danse. Regardez tout cet argent dans la main. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. Dites-nous ce que vous en pensez. Si nous faisons ce coup de vidéo, c'est pour vous dire que l'argent doit vous servir. Vous ne devez pas utiliser de l'argent de cette façon-là. C'est vrai, c'est l'amour, c'est une manière de montrer aux gens des choses. Vraiment, ce n'est pas le conseil que nous devons vous donner. Vous me regardez. Ils sont s'amuser toujours. Ils sont s'amuser. Ça peut t'impressionner, ça peut t'attirer. Tu peux dire, oh, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent le copier, mon frère, si tu veux avoir de l'argent, ne sois pas dans la cœur. Travaille à la sueur ton front pour avoir ton sou. Et réalise. Réalise. Aide les veuves et les orphelins. On en a besoin. Même moi, tu peux faire don. En dessous de cette vidéo se trouve un lien. Bon, plein d'informations. Si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, vous pouvez le faire. Mais ne gaspillez pas votre argent. Au moins, si vous nous faites un don, nous aussi, on fera d'autres dons aux gens qui en ont besoin. C'est pourquoi nous sommes là. Prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour enlamer les gens, former les gens. Et soyez forts et courageux. Parce que travailler dur aussi pour avoir son argent, c'est pas toujours facile. Prenez soin de vous.